I'll make you bounce Et hop tout le monde, c'est Monsieur Kraftnix. Comment allez-vous aujourd'hui Écoutez-moi, ça va très bien. Bienvenue pour un nouvel épisode sur notre ville moderne, euh, avec toujours notre hôpital en construction. Euh, donc, avant tout, je tenais à vous dire qu'un abonné m'a proposé de refaire le Stade Vélodrome de Marseille. Euh, je suis très curieux, donc j'ai quand même été voir à quoi il ressemblait, et euh, je... Je te réponds clairement, je pense pas que je vais le faire en fait, euh, parce que le boulot est juste immense. Il n'y a que trois personnes, il me semble, françaises qui ont réussi à le faire en entier euh, sur Minecraft. Euh, donc je vous invite à aller voir sur internet des photos si vous voyez pas à quoi il ressemble. Et euh, c'est juste un boulot de fou, sachant que ces personnes qui l'ont fait ont utilisé euh, WorldEdit, donc c'est un logiciel de copier-coller si vous ne savez pas ce que c'est. Comme ça, vous faites une moitié du stade et vous copiez coller l'autre moitié, et hop, c'est fini. Sachant que moi je n'ai pas World Edit, je fais tout à la main bloc par bloc, euh, c'est vraiment pas sûr que je refasse ce stade. Euh, ceci dit, je pourrais en faire un autre, il hein, n'y a pas de souci, un peu plus petit. Mais franchement, allez voir ce Google Image à quoi il ressemble et vous allez voir que je pense que vous allez me comprendre quand vous allez voir le boulot qu'il y a à faire là-dessus. Donc aujourd'hui on s'attaque euh, au bloc opératoire. Euh, je pense que vous avez vu la petite timelapse. Euh, c'est ce bâtiment-là, donc finalement je l'ai pas fait la même hauteur que l'autre. Donc le bloc opératoire qui sera là-dessous. Euh, j'ai commencé la salle de réveil. Euh, j'ai juste mis deux ou trois lits. J'avais plus trop d'idées, donc je me suis arrêté. Voilà. Donc ensuite on fera les chambres ici. Hein. Ça je le ferai plus tout seul. Je vais pas trop trop faire non plus euh, d'épisodes sur l'hôpital parce que vous avez moment c'est un peu lassant. Euh, voilà. Donc la salle de réveil pour l'instant j'ai mis trois lits comme ça. Hein, je mettrai d'autres choses à côté, bien évidemment. Donc ici on a l'ascenseur pour descendre au bloc, euh, totalement factice bien évidemment, avec ici l'escalier, euh, normalement c'est un escalier de secours uniquement parce que c'est toujours l'ascenseur, parce que vous, vous vous doutez bien que le patient sur le brancard ne va pas le pousser au fond des escaliers pour qu'il descende au bloc. Mon trêve de plaisanterie. Euh, ouais, donc normalement l'escalier sert juste euh, en cas de secours et pour le personnel quelquefois, mais normalement les blocs c'est toujours un ascenseur. Donc on va le faire ici. Alors euh, on va mettre la luminite sur les murs pour l'instant parce que voilà ça prend de la place. Je sais pas trop comment je vais éclairer encore. Donc, on va mettre ça comme ça. Euh, ici on aura la réserve. Alors, une réserve de quoi Je sais pas. Médicaments, compresse, hein, Bref on trouvera bien quelque chose. Et on va le faire le bloc juste ici. Alors niveau euh, du euh, du lit euh, rien de bien euh, compliqué. Je vais faire le même que j'ai fait là haut c'est à dire que vous mettez oh non, si je commence à tout casser ça va pas le faire bien sûr c'est pas la bonne argile hop voilà vous mettez un escalier comme ceci un autre dans l'autre sens et vous en mettez un dans ce sens là et c'est l'inverse voilà voilà comme ça deux dos à dos et un escalier en face ensuite vous pouvez mettre un tapis pour faire comme c'était un oreiller en principe le bloc opératoire il n'y a pas d'oreiller euh, enfin il me semble hein, je suis pas du tout professionnel mais j'ai été jeté un coup d'œil, il y a souvent une couverture bleue, juste stérile, euh, pour mettre le patient dessus. Et puis voilà. Donc ensuite, on va faire euh, la lumière juste au-dessus. Alors, euh, j'ai le problème avec l'orientation. Voilà, avec Donc, la lumière, on va faire quelque chose comme ça. Les lanternes bleues, ça va très bien. Parce que les lanternes sont. Les lanternes, les lampes sont bleues, souvent dans les blocs. Euh, ensuite, on va faire... Euh, un écran de contrôle, donc euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme écran de contrôle J'ai trouvé. Euh, L'écran de contrôle pour, euh, je sais pas, pour euh, les radios, les, enfin tout ça quoi. On va faire ça à côté. Alors euh, de quelle couleur bon, on va faire ça en blanc, les amis. Hein. Alors est-ce qu'on le fait aussi proche On va le faire un peu plus loin, comme ceci. Hop ici, on va mettre un escalier comme ça. Un cadre ici alors j'ai fait un petit test euh, je savais pas trop quoi prendre euh, parce que sachant que c'est le cadre c'est comme si c'était l'image qu'on voyait à l'intérieur du patient sachant que si je mets une cuisse de poulet avec du lapin ou du lapin cuit ça va pas faire super super réaliste donc j'hésite encore euh, je pourrais mettre du mouton cru ou une connerie du genre pour faire comme si c'était la chair humaine enfin J'espère que vous me comprenez, mais le problème c'est que la forme est pas super réaliste. Ah, ce qu'on peut faire, c'est mettre un œil d'araignée. Qu'est-ce que ça donne Ah ouais, ça rend pas mal du tout. Sur ce pack, ça fait vraiment, on dirait un organe avec ouais. On va laisser ça, les amis. J'avais mis de la chair putréfiée sur mon petit test que j'avais fait de mon côté, mais on va laisser ça en fait. Et puis on va faire comme si c'était fonctionnel. Enfin, du moins on va essayer. On va prendre un répéteur de la redstone avec une torche. On va mettre la torche là-dessous. Hop, on remet le bloc, le fil de redstone et un répéteur comme ça, voilà. Et ça fait comme si c'était alimenté. Enfin, vous comprenez. Enfin, du moins, j'espère. Ensuite, on peut mettre un petit bouton sur le côté pour faire comme si on pouvait l'allumer ou l'arrêter. Et puis derrière, euh, on va faire la sonde qui sert à être oxygénée. Euh, Est-ce que je la fais aussi haute? Ouais, on va la faire comme ça. Hop, voilà, la sonde que vous accrochez. C'est avec l'oxygène. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans un bloc opérateur Par contre, il y a toujours un petit chariot avec les outils. Euh, comment on peut faire ça On va mettre un établi. Hop. Alors, est-ce qu'on le met par ici ou est-ce que c'est un peu trop proche On va le mettre derrière comme ceci, les amis. Ouais, comme ça, ça fait pas trop mal. Je suis assez content de ce que ça donne. Euh, on peut faire peut-être une autre machine, alors laquelle j'en ai aucune idée. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Ah, on peut faire des lavabos, sachant que dans les blocs il y en a, c'est obligé pour se laver les mains. Enfin, vous me direz lavabo, ça sert pas vraiment à autre chose que se laver les mains. Hop, voilà. Euh, où est-ce qu'on peut le faire, l'évier on va le faire par là hop on peut même faire mieux que ça on va mettre un cadre quoi que je sais plus si on peut le faire en fait ça on va essayer on va essayer tapis vous prenez un tapis bleu un tapis rouge vous mettez vos cadres le tapis bleu un endroit le tapis rouge de l'autre côté et vous mettez euh D'accord, on peut pas. Ou alors on peut mais il faut peut-être mettre le levier en premier comme ceci et vous mettez votre tapis. Ouais, ça bug. Enfin, je vais réessayer. On va recommencer, hop. Ouais non, ça bug. Avant ça marchait, on pouvait faire dépasser le tapis et ça faisait comme c'était l'eau chaude et l'eau froide, mais maintenant ça marche plus. Donc c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Euh, on va peut-être faire un encadrement quand même euh, pour varier en blanc comme d'habitude, sachant que tout est blanc. Dans un bloc opératoire, soit tout est bleu, soit tout est blanc. J'ai vu ça euh, sur une photo tout à l'heure. Me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien. Euh, Est-ce qu'on met une vitre Non, c'est peut-être pas la peine. Hein, c'est pas très courant. Euh, ça, euh, qu'est-ce qui pourrait manquer Bon écoutez les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir un petit peu à ce qui pourrait manquer, puis on se retrouve tout de suite. Ok, bien, donc, euh, j'ai été jeter un petit coup d'œil sur Internet. Alors, il y a plein de choses, mais qui vont être dures à faire sur Minecraft. Il y a une grande table avec tous les outils stériles dessus. Il euh, y a un ordinateur de contrôle, alors ça, à la limite, on peut le faire. Euh, où est-ce qu'on va le faire Je sais pas, mais on peut le faire. Euh... On va prendre une plaque de pression, comme d'habitude, et on va le poser quelque part par là, mais je ne vois pas du tout où. Euh... Si je le mets là, est-ce que ça fait bizarre ou pas Non, ça peut aller. Ça le fait assez bien. Euh, dedans, qu'est-ce qu'on peut mettre Sachant que c'est un ordinateur de contrôle pour contrôler... Euh, je sais même pas quoi d'ailleurs. Euh, Laissez-moi réfléchir deux petites secondes. On va pas mettre des fleurs, ça va quand même faire bizarre. On va mettre un brin un redstone, grain ça fait comme c'était du sang. Ouais, ça peut être pas mal. On va laisser ça comme ça. Euh, alors la table avec les outils, j'étais en train de réfléchir, on peut peut-être faire quelque chose. Alors c'est pas dit que ce soit bien fait. Normalement les deux devant juste ici. Euh, ouais, deux blocs ça va suffire. Est-ce qu'on la met aussi proche ou pas Comme ça ça va suffire. Mais le problème c'est qu'on peut pas faire euh, les outils, les scalpels et tout, parce que sur Minecraft, il n'y a absolument rien qui va correspondre. Euh, peut-être à part des plaques de pression, mais... On en voit un petit peu partout, donc on va peut-être éviter d'en mettre. Mm -hmm. Sauf si je mets un rail. Juste comme ça, pour le plaisir. Ouais, on peut peut-être faire ça comme ça. Ouais. Écoutez les amis, on va laisser ça comme ça. Euh, L'éclairage, je le finirai moi-même. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc notre bloc est terminé. Euh, la prochaine fois, je pense qu'on attaquera une autre construction parce que l'hôpital, ça fait le troisième épisode qu'on est dessus, si je me trompe pas, ça commence à faire un petit peu long. Bon, sauf si ça vous dérange pas, vous pouvez me dire les commentaires toujours. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page Facebook. J'en parlais plus actuellement, vrai que je l'avais un petit peu oublié. Euh, si vous voulez me poser des questions à propos de la ville ou enfin des trucs qui restent trop... totalement, euh... totalement euh... en rapport avec le jeu, bien évidemment. Allez-y, euh, ma page Facebook sera dans la description. Sur ce, je vous laisse et puis bah, je vous dis à la prochaine.